sector is clear. Give us everything we got! All wings! L'épisode 3 de la de Star Wars Battlefront 2 du mode histoire. J'ai oublié comment il s'appelle le mode. J'ai oublié. On a fait le noyau autour de la bataille d'Endor. Voilà. On s'était quitté ici. Où là les rebelles commençaient à rush. Et pour un petit résumé des du 1 et du 2. Le 1, c'est Eden Versio a été capturé et s'est délivré. Le 2, c'est la bataille d'Endor. L'étoile noire est détruite. Le 3, là je ne sais pas. Ouh, j'ai eu chaud. En formation sur les transports rebelles. Empêchez-les d'aborder le Dauntless. Les abattrez. Oui, oui. Noscope, sans viser, un petit oscope. Mais je l'ai même pas détruit. Ah, si, si. Cible éliminée. Versio, j'exige que vous éliminiez ces vaisseaux. Attaque, transport est mis en cours. Il fait une manœuvre d'esquive. Détruisez-le avant qu'il puisse aborder. C'en est fini pour eux. Je suis plus fort qu'un Akin au pilotage. Regardez, qu'est-ce que je fais, un Akin. Oulala. Je vais attaquer l'autre. L'autre parce que lui il est endommagé. Ouais. Ouais, c'est bon, il est détruit. Mince. Logique, parce que vous savez, j'espère que je dois pas faire la mission. J'espère que je dois juste que ça sauvegarde mon objectif. Dans un agent ASK. Je pense que oui. Eh ben ouais, je suis nul. J'ai invoqué le karma en disant que je suis plus fort qu'Anakin. Je les ai en ligne de mire.
quand elle a dit merci, bam, je m'explose la gueule. Ok. Oh là là. Pourquoi j'ai pas... Chelou. J'ai pas ma grenade aveuglante. Ah mince. La tourelle, il faut que je dispose avec mon arme principale. Destruction, grenade aveuglante. Eh, respectez-moi. J'ai pris une grenade aveuglante, c'est une grenade. Bouclier. Encore la tourelle. En fait, il faut que je tue les rebelles, après j'explose la tourelle. Oh, je l'ai tué en même temps. Je suis dégoûté, je l'ai tué en même temps. Je devais mettre mon bouclier. Désolé.
Mince. Ok, je vais juste prendre le donateur thermique. Regardez. Ça sent malin. En fait, pas du tout. En fait, j'ai cru que si j'allais la jeter, elle exploserait, mais pas du tout. Ah mais ça joue là. Ça joue partout. Ok. Ah non. J'ai besoin d'un piratage. Lucas, je vidéo. Mince. Oui, aïe, aïe. Ok.
coup. Détruit. Poser un explosif. Je pose quoi? Je vais pas poser une grenade avec une plante. Ah, avec ça. Mais elle est où déjà? Elle est où? Oh, il a eu chaud. Iden a eu chaud. Iden Versio. Mince. Un petit effort. Pas être détruit, Viking. Tu me détruis pas. En même temps, c'est mon Viking, c'est mon chasseur T.E.L. marcherait sur un bon état, j'aurais survécu. Seul moyen d'obtenir la paix. L'amiral Versio purgera la galaxie, commandant. Il lui
rappellera qui commanderait. Commandant, chasseur en approche. Détruisez ces vaisseaux! Colmille! Encore dans le milieu. On doit détruire quoi, j'ai pas compris. Ça ! Détruisez ces attaches ! Ah, j'ai compris. Ces attaches. Les attaches. C'est quand même difficile de jouer à Star Wars Battlefront 2, surtout en mode histoire. Puis quand j'en détruis une, et je me fais mourir, le karma il est là, et ben moi je vais faire des spawns. Karma dégage. C'est bon, il a dégagé. Ok. C'est très bien. Oui. Ouais, c'est trop stylé. La cinématique pour moi c'est une des plus. Excellent travail aujourd'hui. Le Corvus. Escouade Inferno. L'amiral nous a demandé de localiser une installation impériale secrète sur la planète Pivo, un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'il représente, l'amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Tel, en temps normal, j'accomplirai cette mission moi-même. Mais vos compétences techniques pourraient s'avérer utiles pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'observatoire et détruisez tout ce que vous y trouvez. Ok. Elle est pas colonisée, Pia. Oh, il y a RDDD. Oh, Luc! L'Empire est ici. Ce que j'ai senti est vrai. Cet endroit doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Le scanner va sûrement venir. Je vais essayer de faire les 3000. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, je vous dis ciao.